Back, guys. It is MLG Pro Scrims. We got AAA going up against Giants. France versus Spain. It's all tied up one apiece going into game number three as we get into Capture the Flag on Raid. And for this next game, I have a very special treat for you French and Spanish fans out there. We are going to have the first half of this game commentated in French 100% by Zankyo, and then Axel will be taking the second half purely in Spanish. So without further ado, let's jump into the game in 3, 2, 1. Zankyo, take it away as we're on board with Broken. Ok, donc on passe sur Broken donc pour le début de cette partie. Donc on voit Broken qui joue à la haine ici. Donc il va passer un petit peu au niveau de la cuisine. Il va regarder s'il peut faire le pre-shot. Il repère un gars au niveau du middle. Il est obligé de reculer. Il balance son IEM. Il repère un gars. Il va peut-être tenter la décale. Broken, il faut qu'il fasse attention. C'est bon, il fait le frag ici. Il fait le frag sur stéréo. On va rester sur lui pendant un petit moment. Voir un petit peu ce qu'il peut faire. Broken, il est au niveau du middle. Il repère un deuxième gars. Il fait le frag. Il repère un gars au niveau de la lambeau. Il va peut-être pouvoir faire le troisième. C'est bon, c'est fait de la part de Broken. On va rester sur lui. Broken qui va décaler peut-être au niveau de la piscine ici. Il repère personne pour le moment. Il est en sneaky. On voit tous ses mates qui sont au niveau de la droite. Donc là, il faut qu'il fasse attention. Broken, il va peut-être avoir un duel. Ah, il perd son duel ici contre Toror. On va switcher sur Azox. Azox qui est maintenant seul au niveau de sa base. Il va essayer peut-être de camper un petit peu. Il a raison. Il n'y a pas besoin de se jeter. On voit que tous ses mates sont au niveau de la droite, au niveau de la statue. Donc il faut qu'il reste en vie. Il va rester là au niveau du basket. Voilà, il fait un premier kill ici sur Jay. C'est plutôt bien joué. On voit Gota qui repère un gars aussi. C'est bon, c'est fait. Au niveau de la bacalée, on va rester sur Azox. Il va y avoir du monde normalement au niveau de la cuisine. On voit Broken qui fait le kill. Très bien joué ici de la part de Broken qui permet Oa de respirer un petit peu. Mais il y a encore un joueur des Giants ici. C'est bon, Gotaga qui fait le taf ici. Broken qui va rester en vie ici. Il repère un gars au niveau de la piscine. Je pense qu'il va essayer le tempo. C'est ce qu'il va faire ici. Il va juste attendre que le joueur des Giants fasse l'erreur. Et on va rester sur Azox. Azox qui a fait le kill ici. 2-23. C'est bien joué ce qu'il fait. Il est en 3-1. On va peut-être passer sur Broken. Broken qui va pas tarder. On va rester sur Azox pour le moment. Azox qui est toujours au niveau du middle. Il repère un gars au niveau de l'escalier. Il fait le frag. Non, il a eu l'assist, c'est très bien joué en tout cas. Il repère un gars une nouvelle fois au niveau du middle. Broken qui est là pour l'assister. Agony qui fait le frag aussi. Ça fait 3 morts côté Giants. Ils le savent. Les ils vont commencer à pousser. On va peut-être passer du côté de Agony. Voir un petit peu ce qu'il peut faire. Broken qui est au niveau du flag. Il vient de faire un kill. Il arrive dans le back. Il repère un gars au niveau du spawn. Il fait le kill ici. Il repère un deuxième mec. C'est bien joué ça. Ils vont peut-être pouvoir prendre le drapeau. Il y a Gotaga. Il faut qu'il fasse attention. Bien joué de la part de Gotaga qui met un énorme turn. Il enchaîne sur le deuxième. Et on voit Broken qui passe ici au niveau du middle. Il passe niveau lambeau. C'est bien joué ce qu'ils font là. Les joueurs des AA. Ils ont pas besoin de passer au niveau du middle puisque là, il y a la cover de Azox ou d'Agony. Il me semble que c'est Agony qui est en train de regarder au niveau de la monnaie. Et le drapeau qui est marqué ici de la part de Broken, pardon. 1-0 dans cette partie. Les AA qui sont réellement en forme dans ce début de partie. Il faut qu'ils continuent leur lead. Broken qui continue d'enchaîner. Et qui débloque ses strikes avec son Hellstorm ainsi que son foudroiement. Donc ça, ça va leur servir en CTF. On sait à quel point ça sert. On va rester pour le moment sur Broken. On va peut-être switcher sur Azox, voir un petit peu ce qu'il peut faire maintenant. On va se mettre sur Azox qui est au niveau du middle. Il va peut-être avoir du monde là. Il a l'aide, il me semble, d'Agony au niveau du middle. Il repère un premier gars, il fait le frag. Très bien joué de la part de Azox. Ici avec sa M8, il enchaîne sur le deuxième peut-être. Non, il faut qu'il tempo ici. Agony qui est plus là. C'est bien joué Azox. Il a fait une énorme décale ici. Il repère encore un gars. Le 3 piste de la part de Azox. Et ça, ça va servir réellement. Wow, on va passer sur Agony. Agony qui vient de faire 2 kills. Énorme tape de la part des A. On voit tout le team orc ici. On va rester sur Agony pour le moment. Qui va peut-être pouvoir prendre ce drapeau. 1 minute 54 dans cette partie, il faut que là Agony reste en vie, et voilà il fait encore la décale, il tue le premier mec, il va peut-être essayer de rester en vie, il a pas trop d'aide pour le moment, il y a personne au niveau de la voiture bleue, il va quand même essayer de le prendre, ah mais il se fait tuer ici, c'est dommage, on va passer côté Azox, Azox qui essaye un petit peu de pré-shot à travers ce mur ici, il est en série de 4 ici Azox, il va regarder au niveau de la statue, mais il peut pas trop rester en vie ici, on va peut-être passer côté Agony, Agony qui va essayer peut-être de tempo, ouais, il va essayer tempo là parce que c'est un petit peu chaud pour les AA, ils sont tous morts, Agony qui va essayer tempo, il y a du monde côté Bacalé, il se fait tuer ici Agony, il repère un gars, mais il se fait tuer également là, il a pas pu faire grand chose, on va passer sur Broken, Broken qui est le seul en vie, mais Broken qui se fait tuer aussi, on va revenir sur Azox, c'était le spawn, voir un petit peu ce qu'il peut faire, Azox qui va devoir rester en vie, le drapeau qui va sûrement être sorti côté statue, on va voir un petit peu ce qu'il peut nous faire ici Azox, Azox qui est un petit peu loin, Azox, c'est ce qu'il pourra faire. Il va pouvoir faire quelque chose. On va passer sur Gota. Gota qui vient de faire un kill ici. Gota, il faut qu'il reste en vie. Voilà, il fait le 2 kills là. Bien joué le double frag ici de la part de Gota. On va peut-être passer par la suite sur Broken, mais on va regarder ce qu'il peut faire ici. Gotaga au niveau du middle, il repère personne. Il va essayer peut-être d'attendre ses mates. Il est un petit peu tout seul. Il a raison de pas avancer. On va passer côté Broken.
Côté Broken, voir ce qu'il peut faire au niveau de la statue. Il a encore ses strikes, hein, vous avez vu, il les garde, il a raison. Ça sert à rien de les utiliser sur ce round, il reste 40 secondes. Ça serait un petit peu bête. On va passer côté Gotha. Gotha qui essaye d'avancer ici. Côté Piscine, il reste seulement 30 secondes. Gotha qui fait le kill ici, il va peut-être pouvoir prendre ça. La falle de l'ennemi, il fait le double frag, énorme kill de la part de Gotaga. Il reste 24 secondes, il balance sa nade. Ici, il va essayer peut-être de prendre ce dernier drapeau. On voit qu'il y a un joueur DAA qui est sur la gauche, il me semble que c'est Agony. Il fait le kill ici, Gotha, c'est bien joué. Il faut qu'il reste en vie. Il va prendre le drapeau avec Broken. Broken normalement qui va cover le middle. Est-ce que ça va pouvoir passer? Il reste seulement 10 secondes. Le drapeau qui va peut-être pouvoir être scoré. On voit que ça balance des fumis. Et malheureusement, Gotaga qui se fait couper ici par Jayze. Ils n'ont pas le temps. Le drapeau qui a été recov ici de la part des Giants. On va rester sur le corps de 1-0. Oh, back to you first. Great job, Zekio. Wow, a 5-minute solo cast in French. I absolutely love that. And Benson, watching this first half, AAA's Broken had a fantastic run, able to run that single flag home. But what were your thoughts on that first half before we sent it over to Axel? You know, Broken just looks so, so strong at Targa as well, making those big plays. It's going to be so, so hard now for Giants to try and make a comeback in this game. All right, well, Axel, it is time for some Spanish. Go ahead and kick us off as we're on board with Tohor. He has the Hellstorm and Lightning Strike to work with. Thank you, Chris. Pues vamos con la cámara de Tohor, empezando esta zona central. Al final acaban echando para abajo. Es baja para uno de los jugadores del equipo de A. Vamos con Setter ahora mismo en la zona central, aguantando aquí en la zona de la LVP, en la zona de los billetes, la zona del dinero. Va a avanzar hacia la zona central, parece que no. Está aguantando esta zona, va a cubrir la bandera, parece que ha recibido al cable alguno de sus compañeros. Va a buscar rápidamente uno de los jugadores por la espalda, pero son dos. Finalmente lo eliminan, Jayze que está cubriendo la zona de la piscina, la zona del bar. Sigue aguantando ahora mismo, Tohor que consigue una baja con la B23R sobre Gotha. Agony se carga a Tohor, Legend se carga a Agony. Y ahora mismo está Jayze avanzando por la zona de la piscina, parece que retrocede finalmente, no quiere llamar la atención por esa zona, la bandera ha sido devuelta. Así que no va a haber problemas para el equipo de Giants. Aguantando Jayze en la zona central, intentando alguna baja desde aquí, desde la zona de las dobles, asistencia para él. El Setter que lo elimina finalmente, iba rápidamente hacia la zona central. Finalmente Aesox con la doble baja consigue eliminarlo. Y nos vamos ahora mismo con la cámara de Tohor avanzando por esta zona central con el Fall. Tiene esa, ese misil gesto y ese ataque relámpago para... Sí, lo necesitan en alguno de los momentos. Va a avanzar por la zona central. Muy buena baja ahí de Tohor con el Fall. Se toca con la puerta, va a entrar rápidamente hacia la zona del rojo. Va a intentar eliminar a alguien en la zona superior. Saca la B23R. Doble baja ahí de Tohor, perfecta. Devolviendo ahora a la situación. Y parece que la bandera está saliendo ahora mismo por parte del equipo de AA. Y ahí va a sacar el iPad, va a sacar el ataque relámpago y va a conseguir la baja ahí con el ataque relámpago sobre Gotaba, que estaba llegando a la bandera. Ahora mismo hay dos fuera del equipo de AA. Y ahí finalmente doble baja de Azox otra vez para salvar la bandera. Vamos a pasar con la cámara de Legend que acaba de spawnear en esta zona de la cocina ahora mismo. Y ahí está, aguantando esta zona. Legend aguantando ahí muchos tiros, no va a conseguir la baja. Sí, finalmente la consigue. Y parece que, bueno, ahí está, taking down Legend, 5 segundos de spawn ahora mismo, va a reaparecer de nuevo en esta zona central, ahí está Tohor, ahí Legend, perdón, con esta zona central, va a intentar ahí una baja, sí, lo consigue finalmente, va a limpiar la base, una baja también para Setero, y va a aguantar esta zona de la cocina, va a salir rápidamente hacia la zona central, a ver si consigue alguna de las bajas, avanzando, mirando esas dobles, le ha colado a alguien por la zona del VP, doble baja de Gotaga. Vamos con la cámara de Jayze ahora mismo, que está en la zona del básquet, no quiere problemas, la bandera va a salir, ahora sigue aguantando él, a ver si viene por aquí la bandera lo elimina Setero finalmente, y Jayze que sigue aguantando esta zona de la cancha, va a salir rápidamente, va a conseguir una baja ahí a uno de los hombres que se subía a la zona de las obras, y ahí Jayze finalmente lo van a eliminar, no va a poder salir por esa zona, nos vamos con Tohor ahora mismo, que es el último con vida, 3 down para el equipo de AA, avanzando por la zona central, ahí estaba Gotaga, pero Tohor lo elimina con este Falcon empuñadura. Saca la B23R para avanzar rápidamente, le disparan desde la espalda, desde la zona de las cocinas, pero no lo consigue eliminar, finalmente sí que lo elimina Broken ahí en esa zona del coche azul. Ahí tenemos ahora mismo a Jayze que consigue una baja en la zona de las obras limpiando a Azox, la bandera que empieza a salir ahora mismo por parte del equipo de AA. Parece que Jayze está expectante a ver qué pasa por aquí, se acaba de cargar a Gotaga, la bandera que está saliendo por detrás suyo. Ahí muy bien, Agony con la bandera se consigue llevar a Jayze, pero finalmente es Legend el que consigue la baja. Y ahora estamos con la cámara de Setero sacando la bandera, ha conseguido una baja sobre Azox, cae un misil Hellstorm, se va a esconder rápidamente a esta zona del rojo, va a salir ahora de nuevo por la zona del right. Puede ser la bandera para el equipo de Giants, ahí lo vemos, Setero avanzando por la zona de las toallas, va a cruzar hacia la zona de la base, pero el relámpago que cae se tiene que salvaguardar, no lo consigue, cae Setero finalmente, vamos con... La cámara de Legend que va a coger esa bandera, le van a stunear, lleva máscara táctica, así que no va a ser un problema. La bandera que va a ser recogida por parte de Legend, la cobertura que llega por parte de sus compañeros Jayze y Tohor consigue la baja. Y es la bandera para el equipo de Giants, 1-1 en el marcador ahora mismo, 1-20 para que termine esto. Y seguimos con la cámara de Legend con esta B23R recubriendo la zona de la bandera, una baja más para él. Ahora mismo lleva unos cuantos puntos, así que no le queda mucho para conseguir ese Hellstorm. Vamos a ver si lo consigue, podría ser una gran ventaja para ellos.
Legend, que sigue avanzando por esta zona, no sabe qué hacer ahora mismo. Saca la MSMC que ha recogido del suelo, se va a ir rápidamente hacia la zona de los dobles. Consigue una baja, saca el fal de nuevo. Vamos a ver si consigue alguna baja por la zona de las columnas. Finalmente no lo consigue. Le tira para el suelo. Ahí, Agony. Nos vamos con la cámara de Jayce ahora mismo. Avanzando en esta zona de la cocina, consigue una baja. Vamos a ver si consigue algo más. De momento parece que le estunean más que la táctica de Ben Peralera, así que no va a ser un problema. Broken consigue la baja con el B23R. Nos vamos con Tohor aguantando en esta zona del dinero. Va a conseguir una baja. Va a conseguir la segunda doble baja de Tohor. Perfecto para defender esa zona y puede ser la triple para él. Cuerpo a tierra bloqueada y está recargando el MSMC. ¿Va a conseguir la baja? Parece que no. Un poquito de spray finalmente. Azox de nuevo consigue la baja. Y vamos con la cámara de Jayce para finalizar estos últimos 30 segundos. Vamos a ver Jayce aguantando en esta zona central de las columnas. Expectante a ver qué pasa. Doble baja ahora mismo para el equipo de AA. Parece que sigue el empate en el marcador. AA que puede sacar la bandera. Una buena baja de Jayce. Puede conseguir la doble. Sí, gran doble baja de Jayce. La bandera que sale por parte del equipo de AA no es suficiente. Tohor lo elimina. Vamos a ver si Jayce le da tiempo de sacar esta bandera. Son 10 segundos. La va a sacar por la zona central. Vamos a ver los spawns. Saca rápidamente por esta zona del centro. Va a sacar por el árbol. Son 6 segundos. No va a dar tiempo prácticamente. Ahí está. Va a cruzar la zona de la cocina además. Lo elimina Azox y finalmente va a ser 1-1. Nos vamos al stopwatch. Oh, wow. Two rounds, both teams threatening a last second capture, both flags being stopped in the kitchen. We're going into overtime. Tohor on top of the leaderboard, 27-19 with two big returns, and we're going back to our French caster Zankyo. Zankyo, take it away as we're on board with Agony to start. Et on continue donc avec Agony qui va passer ici au niveau de la piscine. On va voir un petit peu ce qu'il peut faire. On a vu que c'était 1-1, les deux équipes qui sont réellement au même niveau sur cette partie. On va voir Agony qui est ici au niveau du middle. Il repère un premier gars, il fait le frag, c'est bien joué de la part d'Agony. Il faut qu'il avance ici, il est un petit peu seul. On voit que ses mates sont au niveau de la droite. Voilà, il va essayer de rejoindre Gotaga désormais. Gotaga, on va passer sur lui justement. Gotaga qui se fait tuer malheureusement, on va quand même rester sur lui. Gotaga qui va risquer de respawn d'ici quelques secondes. On va voir un petit peu ce qu'il peut faire. Voilà, Gotaga qui vient de se faire tuer également, il me semble. Gotaga qui était un petit peu solo. Gotaga qui est toujours là. Gotaga qui va essayer un petit peu de temporiser ici au niveau du flag. Voilà, il fait le kill ici au niveau de la cuisine. C'est très bien joué de sa part, mais il se fait tuer directement. On va rester sur Gotan. On va passer sur Agony, voir un petit peu ce qu'il peut faire ici au niveau du basket. Il repère un premier gars. Il est un petit peu seul là par contre Agony. Il faut qu'il fasse attention. Voilà, c'est un petit peu le dernier pilier ici. Il y a Legend qui le fait un petit peu chier là. Il faut qu'il fasse attention. Oh, malheureusement, il se fait tuer ici Agony. On va passer côté Gotan, voir un petit peu ce qu'il peut faire. Il est carrément dans la base ennemie. Il sort le drapeau en sneaky. Gotaga ici, il est tout seul. Si ça passe, ça va être énorme ici pour les joueurs des AA. Il a la cover au niveau du middle. Ça pourrait leur servir ça. Il faut qu'il l'aide ici à Zox. Il y a des fumées un petit peu dans tous les sens. Gotha le sait, il y a peut-être quelqu'un en sneaky ici. On voit qu'il y a quelqu'un ici des AA qui est au niveau de la back alley. Il y a Azox qui s'est fait tuer. Gotaga, est-ce qu'il va pouvoir le marquer? Il a balancé, il a spoté un premier gars. Et c'est marqué. Le flag qui est marqué. Bien joué de la part des joueurs des AA. Back to you, Chris. Wow. Gotaga and Agony all over your screen in that first half of overtime. This is going to be so hard for the Giants to make a comeback. And we're going to send it back over to Axel to see if they can score. They're not working with much time to do it. Okay, let's go, Chris. Tenemos la cámara de Tohor ahora mismo en esta zona central. Es 1 minuto y 15 segundos. Bastante difícil para Giants ahora mismo volver a esta partida. Necesitan sacar la bandera en solo ese tiempo. Es muy poco tiempo, así que van a tener un ataque o prácticamente dos. Estamos con Tohor ahora mismo avanzando por esta zona. Broken se carga a Jayce ahí. Azox se carga a Setero, doble baja ahora mismo para el equipo de AA. Las cosas no empiezan bien, 58 segundos, aún tenemos esperanzas. Sigue aguantando Tohor por esta zona, la bandera que empieza a salir por parte del equipo de AA. Doble baja de Broken ahora mismo, muy complicado. Tohor es el último con vida, empiezan a spawnear sus compañeros. Tohor que va a aguantar en esta zona de la habitación, en esta zona de la bandera. Se va a colar directamente a la base y va a empezar a sacar la bandera. Vamos a ver, finalmente lo elimina. Estaba ahí perfectamente Agony colocado. Nos vamos con la cámara de Legend, que va a intentar entrar por ahí, pero no es suficiente. Bandera además para el equipo de AAA. Así que se lleva esto el equipo de AAA. Let's go, Chris. Wow, so AAA showing their dominance in overtime. They are going to take our game number 3. Fantastic solo casting from both Axel and Zankyo. Go ahead and take this commercial break as some time to follow my co-casters. We got TEC Benson, we got Zankyo, and of course, Axel. Not Alex, excuse me on that. Sorry about that, Axel. And we're going to commercial break. When we come back, game number 4 will be next as we head back to Hardpoint. Don't go anywhere. It's MLG Pro Scrims International style.